Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais demander au pasteur Obagan qui va prier. Nous trouvons le texte du jour dans Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Romains chapitre 8, versets 35 à 37, la Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Amaka et amamito ato Christo, felon mamaha, fukbekbe. Allô, haha, allô yomatiti, allô dowame, allô amama nono, allô ngodi dodo, allô yi maha. Abe alesi ongodi enebena. Ntio la, o wami vu lenkeke bli bwa katame, o wami abe ale si o oyina. Ou ge la ene gake, le nous se okata men mie doua diglo, le ame si lomi la nti. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Gake le nous se okata men la, mie soin, jidou la oglo. Nous sommes nés pour vaincre. O dimi, bena mi akpo jidoudou. Nous sommes nés pour vaincre. O dimi, bena mi akpo jidoudou. Je voudrais assurer un chrétien aujourd'hui, tout à l'heure, pour lui dire que il n'est pas né pour perdre, il est né pour vaincre. Mais dis-moi madou, pedina Christo tode, allo ma kande dina Christo tode, dibena ou dibena wa po jidou, manye bena wa po bubu allo wa pou. Nous ne sommes jamais perdants. Mimenye ame bubu. Nous sommes plus que vainqueurs. Minye jidou la oglo. Ah, que signifie pour le chrétien être plus que vainqueur? Yo le bobena anye jidou la oglo na Christo tode de gomede de kalesi. Et sans doute ce message que Paul a adressé aux Romains était adressé certainement à des chrétiens spécifiques. Que nyati ene apostolo gbona romato la ke ma pebe tokeda gbona Christo toho. Qu'est-ce qui caractérise spécialement ces chrétiens? Kawinye djeme na Christo tomao. Nous pouvons imaginer que ce message est appliqué à un groupe, d'abord à un groupe de chrétiens qui étaient vraiment très illustres, qui mènent une vie au-dessus des autres. Un chrétien qui est des chrétiens qui sont triomphantes devant toutes les tentations. Que Christ t'a yo kata ufani non la que le tete pokatamala okpona jidudu. Des chrétiens qui cultivent une vie de prière victorieuse. Que Christ t'a yo kata ufak benon la unu akpedudu rafe akbeheina jidudu. Des chrétiens qui rendent un témoignage, des témoignages éloquents et efficaces et qui édifient d'autres personnes. Christ t'a yo kata ufak dasadidio la unyakpoye dasadidio awodode amabubu aoji. Certainement, il s'agit de ces fidèles qui font preuve de maturité et de fidélité dans leur relation avec Dieu. C'est vrai que nous ne trouvons pas dans le texte que nous avons lu ces précisions. Mais nous pouvons comprendre que, eh bien,
pour être un chrétien vainqueur, il faut avoir certaines caractéristiques. Qui peut être un chrétien vainqueur? Premièrement, le chrétien vainqueur, c'est ce chrétien authentique. Dans le texte, nous trouvons Paul dit « Nous sommes plus que vainqueurs ». Ce « nous » est certainement attribué à tous les chrétiens de façon générale. Il s'agit de ces chrétiens qui font partie de ceux que Dieu avait vraiment choisi d'avance. De ceux-là qui étaient prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus. Ceux-là qu'il a appelé vraiment les justes, qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié. Alors, les personnes auxquelles l'apôtre pense ne constituent pas l'élite des élus. Ce sont des chrétiens ordinaires, mais des chrétiens authentiques, dont la vérité et l'autorité ne peuvent être contestées. Voilà, on ne peut jamais être vainqueur ou bien vaincre si nous ne respectons pas ces caractéristiques en tant que chrétien. Il s'agit de ceux-là qui sont vraiment authentiques. C'est-à-dire ceux-là qui luttent tous les jours pour plaire à Dieu. Il s'agit de ces chrétiens qui marchent quotidiennement dans la fidélité et dans une vie de sanctification. Il s'agit de ces chrétiens-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Ces caractéristiques se retrouvent rarement dans nos communautés. Où la lutte des chrétiens ne se cristallise pas sur la lutte pour plaire à Dieu. Nous luttons pour des choses inutiles. Nous luttons pour les choses de ce monde. Nos luttes ne sont pas concentrées sur comment, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Ils ne marchent pas quotidiennement dans la sainteté. Mais la sainteté aujourd'hui semble être révolue dans notre monde. On a l'impression que quand tu en parles trop, c'est comme tu exagères. On pense que vous êtes orthodoxe, vous êtes des archaïques quand vous insistez trop sur la vie de sainteté. Mais je veux continuer que ceux-là qui sont des vrais chrétiens, ceux-là qui sont vainqueurs, il s'agit de ceux-là qui marchent dans la sainteté. Il s'agit de ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Les gens ne craignent même plus Dieu. Regardez nos comportements. Regardez les propos que nous tenons. Regardez nos manières de faire. Et ça ne ressemble pas aux chrétiens qui craignent Dieu. Frère, nous devons craindre Dieu. Si nous ne revêtons pas toutes ces caractéristiques qui démontrent que nous sommes des chrétiens authentiques, eh bien, il est difficile que nous soyons vainqueurs, comme Paul le dit. Le chrétien vainqueur, il s'agit de ces chrétiens authentiques. Ceux-là, ils ne peuvent jamais perdre. Ceux-là, ils ne peuvent jamais être vaincus. Ils ne peuvent jamais être au-dessus. C'est-à-dire, la situation ne peut pas vraiment les vaincre.
non, mais va faire quoi? À cause de la crainte qui est en eux, à cause de la fidélité de Dieu qui est en eux, à cause de la lutte qu'ils font, tout qu'ils mènent tous les jours pour plaire à Dieu. Caractéristiques des chrétiens qui peuvent vaincre. Premièrement, il s'agit de ces chrétiens authentiques. Ensuite, il s'agit de ces chrétiens qui persévèrent. Vous savez, la preuve manifeste qu'ils sont plus que vainqueurs réside dans leur persévérance. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les situations qu'ils vont rencontrer, quelles que soient les vents et les tempêtes, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la violence des persécutions, ce sont ces chrétiens qui persévèrent. Ils ne sont pas ceux-là qui lâchent prise. Ils ne sont pas ceux-là qui abandonnent le combat. Ils ne sont pas ceux-là qui abandonnent la lutte. Il ne s'agit pas de ces chrétiens qui disent « Je n'en peux plus ». Mais plutôt ces chrétiens qui persévèrent. Qui tiennent fort. Qui tiennent fort devant toutes les situations. Fort devant même les terreurs de la mort. Qui tiennent fort devant les épouvantes de la vie. Il s'agit de ces chrétiens qui foncent et qui avancent. Il s'agit de ces chrétiens qui ne replient pas chemin. Eh bien, c'est là ces chrétiens qui sont vainqueurs. Frère, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu tiens toujours sur la voie? Ou bien tu veux abandonner? Je vais encore répéter, peut-être je l'avais déjà répété quelque part ici. Cette histoire, parce que je l'ai même vu partager dans les réseaux sociaux tout ce temps. Il s'agit de ce coureur, de cet athlète. Cet athlète qui courait bien. Qui courait bien et qui occupait même le premier rang dans la course. Pendant qu'il courait fort, quelque chose s'est glissé dans la course. Il a perdu son élan. Malheureusement, il est tombé. Quand il est tombé, et alors il voyait des gens qu'il avait dépassé pendant longtemps, le dépasser. Les gens étaient heureux même de le voir tomber parce que, eh bien, on peut le dépasser. Mais parmi ces personnes qui le dépassaient, il y avait un qui s'est arrêté et qui l'a regardé. Il est allé auprès de lui. Quand il le voyait par terre, il voyait que le monsieur faisait l'effort pour franchir la ligne d'arrivée. Et mais il ne pouvait pas arriver sans qu'il soit aidé. Alors lui, il a abandonné son intérêt. Il pouvait dire non, écoute, ça fait un bon débarras. Moi également, je vais le dépasser, courir, dépasser ce monsieur. Mais il a ralenti son élan et il s'est arrêté et il est allé auprès de ce frère qui tortinait sur la terre. Et il a pris. Il a pris dans ses bras. Il lui dit, frère, moi je vais m'arrêter. Je vais t'accompagner. Parce qu'une chose est très certaine et importante pour notre course. Nous devons franchir la ligne d'arrivée. Et il le prend dans ses bras. Et il était obligé de suivre maintenant son élan.
Et aller ne tu vois dit pour ton vie là que va dit comment tu vois pour toi besoin de soi. Il était obligé de courir comme lui. Et vas-y dit ben avec pour ton vie. Il était obligé même de boiter comme lui. Et va mener qu'elle te boire mais les gars te boulonner. Il était obligé de se sacrifier et de suivre l'élan de ce frère. Vas-y dit ben tu le tu ça voyez aller ne veut lire le bête de l'intérieur. Objectif de cette course c'est que chacun arrive à la fin ou bien arrive à la ligne d'arrivée. Et alors il le prend dans ses mains. Il marchait avec lui. Il boitait avec lui. Il marchait avec lui. Et l'essentiel, c'est d'arriver jusqu'au bout. Je voudrais te dire à toi qui est tombé peut-être, mais qui fait l'effort de franchir la ligne d'arrivée. Oui, les gens même te regardent et sont même contents de te voir tomber. Oh, je vais le dépasser. Non, il n'a rien vu. Il devant nous. C'est une belle affaire pour le dépasser et courir devant. Je vais te dire, il y a un qui ne te dépassera. Lui ne va pas t'abandonner. Lui ne te laissera pas. Même si tout le monde t'abandonne. Même si il t'insulte. Même si le monde, tout le monde dit, mais il n'a rien vu. Il y a un comme l'un de ces messieurs qui s'est arrêté, qui est Jésus, qui est près de toi. Lui va s'arrêter à côté de toi. Il est proche. Il est là. Il est à côté. Il te tient dans ses mains. Et lui, ce qui est encore plus important que je veux que nous notifions dans cette scène. Jésus est prêt à suivre notre rythme. Certaines fois, il est prêt à suivre notre rythme. À nous accompagner dans nos souffrances. Parce que c'est lui qui nous comprend plus que tout le monde. Il nous comprend mieux que les autres. Les autres là, les autres veulent nous voir tomber. Les autres veulent nous voir malheureux sur la terre. Mais Jésus lui est là pour nous accompagner. Il nous prend dans ses mains. Il accepte suivre notre rythme. Parce qu'il sait que nous sommes fatigués parfois. Il sait que nous sommes blessés. Il sait que nous sommes blessés intérieurement. Il sait que nous sommes blessés profondément. Il sait ce que nous subissons même dans la course. Des flèches qui viennent un peu partout. Oui, la course chrétienne, eh bien, vous devez comprendre que vous pouvez vraiment subir. Vous pouvez subir. Vous pouvez tomber par mes gars. Vous pouvez recevoir même les flèches des les uns et les autres. Et bien, vous pouvez recevoir même des blessures. Mais il y a un qui est là. Qui ne nous dépassera pas. Il viendra nous chercher. Il nous prendra dans ses bras. Il va suivre notre rythme. Lui nous accompagnera jusqu'à ce que nous puissions franchir la ligne d'arrivée. Jésus ne nous abandonne pas. Il ne nous laissera jamais. Quel que soit tout ce que nous pouvons ressentir dans la course, il est là. Il est là pour panser nos blessures. Il est là pour vraiment pleurer avec nous. Il est là pour nous comprendre. Pour nous juger, pas pour nous abandonner, pas pour enfoncer nos plaies, mais lui est là pour nous accompagner. Parce que l'essentiel pour nous, l'essentiel pour Dieu, c'est que chacun puisse franchir la ligne d'arrivée. Frère, tu dois persévérer. Tu ne dois pas abandonner le combat.
Tu ne dois pas lâcher prise. Tu ne dois pas dire je n'en peux plus. Oui, ce malheureux qui était tombé pouvait dire non, ça va comme ça. Et toi-même sortir de la ligne. Je ne peux plus. Mais il était resté dans la ligne, dans son couloir. Il rampait même pour arriver dans la ligne. Et c'est dans cette persévérance que l'autre a dit je ne vais pas laisser ce frère. Persévère. Quel que soit ce que tu rencontres sur la route, quelles que soient les blessures, quelles que soient les ce que tu subis, mon frère, persévère. C'est ceux qui persévèrent qui seront vainqueurs. Tu ne seras pas vainqueur si tu ne persévères pas. Alors, qui sont ceux qui sont vainqueurs? Sont vainqueurs ces chrétiens-là qui sont authentiques. Ensuite, sont vainqueurs ceux-là qui persévèrent. Et enfin, sont vainqueurs ceux-là qui sont aimés de Dieu. Ce passage est puissant. On dit, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ceux qui sont aimés, il s'agit de ceux dont le chrétien, Dieu ne peut jamais oublier, ceux qui sont aimés de Dieu. Ceux qui ne seront jamais séparés de l'amour de Christ. Ou bien de l'amour de Dieu. Il s'agit de ceux-là qui vraiment savent que quelqu'un les aime. Nous sommes plus que vainqueurs. Simplement parce que nous devons comprendre qu'il y a un là qui a déjà vaincu toute situation et qui nous aime. Jésus nous aime. Si tu peux vaincre quand tu connais l'amour de Dieu sur ta vie. Son amour pour nous est grand. Plus profond que les situations que nous traversons. Son amour est plus puissant que tout ce que tu traverses. Je ne sais pas, est-ce que tu le sens auprès de toi? Est-ce que tu as une fois senti l'amour de Dieu dans ta vie? Si l'amour de Dieu, tu sens l'amour de Dieu en toi, sache que tu es vainqueur. Son amour nous met en toute sécurité. Son amour nous permet même de ne jamais abandonné malgré tout ce que nous subissons. Dieu nous aime que nous fait la haine du monde. Que peut nous faire la haine du monde, voilà. Dieu nous aime même si le monde nous hait. Si même les hommes nous haient, l'amour de Dieu nous suffit. Dieu nous aime. Que peut nous faire la haine du monde? Dieu t'aime. Qu'est-ce que la haine de ce monde peut te faire? Dieu nous protège. Que peut nous faire nos ennemis? S'il tient près de nous, quelles douleurs ne surmonterons-nous pas?
Je voudrais dire à un chrétien ce matin. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus-Christ est avec nous. Il a tout vaincu pour nous. Et il nous rend vainqueurs. Je vais finir avec une autre illustration. Pour rassurer quelqu'un ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs. Je ne sais pas si vous êtes aussi amateur du football. Je ne sais pas si vous aimez regarder les matchs de football. Il m'arrive aussi de les regarder souvent. C'est vrai que j'ai suivi certains beaucoup de matchs. Mais il y a beaucoup de matchs qui m'ont ému. Et qui m'ont donné beaucoup de leçons. Il s'agit de ces matchs où le match se déroule très bien et il y a un meneur, il y a quelqu'un qui gagne. Il y a un qui gagne. Dans l'illustration. Il y a une équipe qui gagnait. Je ne me rappelle pas bien de ce match, mais j'ai une illustration, une idée de l'illustration que je vais donner. Ou bien, c'était l'équipe-là qui gagnait. Il y avait une des équipes qui gagnait. Et l'équipe qui perdait essayait de persévérer, de faire son mieux, mais malheureusement, il y a un temps qui est parti pour le match. Mais les 90 minutes sont passées. Il est mené. Pour dire que c'est fini pour lui. Apparemment, l'équipe qui menait était vraiment gagnant. Et celui qui a gagné se sentirait vraiment perdant. Mais il y a un mystère de football que j'apprends. Après les 90 minutes, il y a souvent un temps qu'on ajoute, qu'on appelle temps additionnel. Et le plus souvent, le temps additionnel, là, bon, ça varie entre 2, 3, 4, voire même 8 minutes s'il y avait eu vraiment beaucoup d'enjeux dans le match. Mais habituellement, ce temps additionnel, comme il est insignifiant, ne donne pas assez d'espoir à l'équipe qui est gagnée. Mais je me rappelle avoir regardé un match. Ou bien, si je ne me trompe pas, vraiment, dans ce match-là, l'équipe qui était menée a égalisé des buts dans ce temps additionnel. Dans ce laps de temps. Dans ce temps additionnel, il n'était pas un temps prévisible. Mais c'est dans ce temps-là que sa victoire fut déclarée. C'est un temps mystérieux pour cette équipe qui avait gagné le jour. Et j'apprends la leçon. Pour comprendre que quand Dieu te définit et Dieu dit tu es né pour vaincre, quelles que soient les choses réglementaires, ordinaires, qui définissent un temps et qui semblent te dire que tu es vaincu, il n'y a plus encore d'occasion, il n'y a plus encore de chance pour toi, Dieu, ce mystérieux Dieu, peut ajouter encore un temps additionnel pour déclarer ta victoire.
ke mena wa de amede de gobena e po jidu la ke e yi de li e ye wa no metun ke ke ta ba wa ma u li bena wa to yi do so pe na ma a to pe bena wa de gbe fa o bena ye jidu la je prie ce matin pour que si habituellement selon les médecins selon les hommes selon les analyses tout semble s'accorder que tu es vaincu à cause du temps qui est imparti, réglementairement imparti, je sais que Dieu, Dieu de, qui a créé les cieux et la terre, peut, de la même façon que les arbitres ajoutent le temps additionnel, Dieu t'ajoutera aussi un temps additionnel, amen. Le temps de la déclaration de ta victoire, pour te dire que mon frère, quelle que soit ta situation, Dieu peut t'ajouter un temps additionnel pour ta victoire. Amen. Que nous même femme bena docteur gbonyade de nti o. Alors gbia ba mo ka ta gbonyade nku ti bena vona o. Vona o nyebe le bol fofo nyati gbomile. Afa mena amene nye pekula ato amve ato to ve o domen. Agbo bena ame aleke eduji ala mele te duji. Eye o gbona o to yi re to pena yi ma. Ba aken de ti bena amama apo jiru la. Ke ma o ni wo ti pe anigba la. Mo le gbogbo na o bena ato yi ma ato pena o ta ale ba ma prière pour toi ce matin. Que Dieu ajoute un temps additionnel. Un temps additionnel. Même quelle que soit la petitesse de ce temps. C'est dans ce temps que Dieu va déclarer ta victoire. Tu n'es jamais perdant. Parce que nous sommes nés pour vaincre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vaincu. Aussi longtemps que ta victoire n'est pas déclarée. Tu dois croire. Même si tout semble être fini pour toi. Je ne laissera jamais le mat finir. Il t'ajoutera un temps additionnel. Ce temps de victoire. Parce qu'il a dit dans toutes ces choses. Quelles que soient les situations, quelles que soient les déclarations, quelles que soient les réalités naturelles, quel que soit l'âge, quel que soit ce que les gens disent, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, quelle que soit la situation, quel que soit ton âge, dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne seras jamais perdant. Parce que nous ne sommes pas nés pour ça. Mais tu n'es pas né pour perdre. Nous sommes plus que vainqueurs. Les chrétiens authentiques sont plus que vainqueurs. Les chrétiens persévérants sont plus que vainqueurs. Les chrétiens qui sont aimés de Dieu. Seigneur Jésus, mon frère plus que vainqueur. Ma sœur est plus que vainqueur. Même si tu sembles définir qu'il est perdant. Jésus, si les arbitres peuvent ajouter le temps additionnel, tu dois augmenter, tu dois prolonger l'âge de ce frère, de cette sœur. Tu vas vraiment ajouter le temps additionnel pour sa victoire. Parce que nous ne sommes jamais vaincus. Nous ne sommes jamais perdants. Même si l'ennemi le déclare. Il y a encore de l'espoir. Que soit Dieu, tu vas ajouter encore un temps additionnel pour déclarer notre victoire. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Shalom. Nous avons